Comment soulager une crise de goutte sans médicaments La goutte est une forme d'arthrite inflammatoire caractérisée par des crises douloureuses. Souvent soudaines, causées par l'accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations. Cette affection peut sérieusement affecter la qualité de vie des personnes atteintes, les obligeant à chercher des moyens de soulager la douleur et l'inflammation. Bien que les médicaments puissent être efficaces, beaucoup cherchent des alternatives naturelles pour gérer les symptômes sans effet secondaire. Dans cet article, nous explorons diverses méthodes pour soulager une crise de goutte sans médicaments. Offrant des solutions pratiques et accessibles pour améliorer votre bien-être au quotidien. Comprendre la goutte. La goutte est une maladie métabolique due à un excès d'acide urique dans le sang, une condition appelée hyperuricémie. L'acide urique, produit par la dégradation des purines, substances présentes dans certains aliments et dans notre corps, peut former des cristaux qui se déposent dans les articulations, provoquant une inflammation intense et douloureuse. Cette maladie touche principalement les hommes et est souvent associée à des facteurs génétiques. Mais des éléments comme l'alimentation, l'obésité et la consommation d'alcool peuvent aussi jouer un rôle significatif. Les crises de goutte se manifestent généralement par une douleur aiguë, une rougeur et un gonflement. Souvent au niveau du gros orteil, mais elles peuvent également affecter d'autres articulations telles que les genoux, les chevilles et les poignets. Ces épisodes douloureux peuvent durer plusieurs jours, voire des semaines. Et leur fréquence peut augmenter si la condition n'est pas correctement gérée. Comprendre les mécanismes sous-jacents de la goutte et les facteurs de risque est crucial pour adopter des mesures préventives et thérapeutiques efficaces. En explorant les causes et les manifestations de cette maladie, il devient plus facile de mettre en place des stratégies non médicamenteuses. Pour en atténuer les symptômes et améliorer la qualité de vie des personnes affectées. Adaptation de l'alimentation. Réduire les aliments riches en purines pour soulager une crise de gouttes sans médicaments Les purines sont des composés chimiques présents dans certains aliments qui, une fois décomposés par le corps, produisent de l'acide urique. Pour les personnes souffrant de gouttes, il est essentiel de limiter la consommation d'aliments riches en purines afin de réduire le risque de formation de cristaux d'acide urique. Parmi les aliments à éviter, on trouve les viandes rouges, bœufs, agneaux, porc. Les abats, foie, rognons. Les fruits de mer, crevettes, homards, sardines. Et certains poissons gras, maquereaux, harengs. De plus, les boissons alcoolisées, en particulier la bière, peuvent augmenter les niveaux d'acide urique. Et déclencher des crises de gouttes. En réduisant ces aliments, vous pouvez aider à contrôler les niveaux d'acide urique dans le sang et à prévenir les crises. Aliments à favoriser pour soulager une crise de gouttes sans médicaments. À l'inverse, Certains aliments peuvent aider à réduire les niveaux d'acide urique et à soulager les symptômes de la goutte. Les cerises, par exemple, sont reconnues pour leurs propriétés anti-inflammatoires et peuvent réduire les niveaux d'acide urique. La consommation régulière de cerises fraîches ou de jus de cerises peut être bénéfique. Les produits laitiers faibles en gras, comme le lait écrémé et le yaourt, ont également montré des effets positifs en réduisant le risque de goutte. Le café, sans excès, peut également aider à diminuer les niveaux d'acide urique. Enfin, l'hydratation joue un rôle crucial, boire beaucoup d'eau aide à éliminer l'excès d'acide urique par les reins. Les infusions à base de plantes, telles que celles à la menthe ou au gingembre, peuvent également contribuer à une bonne hydratation tout en apportant des bienfaits anti-inflammatoires. Technique de gestion de la douleur. Application de glace pour soulager une crise de goutte sans médicament. L'application de glace est une méthode efficace pour réduire la douleur et l'inflammation lors d'une crise de goutte. La glace aide à engourdir la zone touchée, diminuant ainsi la sensation de douleur. Tout en réduisant l'inflammation et le gonflement. Pour ce faire, enveloppez quelques glaçons dans un linge propre et appliquez-le sur l'articulation douloureuse pendant 15 à 20 minutes. Répétez cette opération plusieurs fois par jour. En veillant à ne pas appliquer la glace directement sur la peau pour éviter les engelures. Cette méthode simple peut offrir un soulagement rapide et temporaire. Techniques de relaxation pour soulager une crise de goutte sans médicament. Les techniques de relaxation peuvent jouer un rôle important dans la gestion de la douleur chronique associée à la goutte. La méditation et les exercices de respiration profonde sont des outils puissants pour calmer l'esprit et réduire la perception de la douleur. En prenant quelques minutes chaque jour pour pratiquer la méditation, vous pouvez apprendre à concentrer votre attention et à relâcher les tensions physiques et mentales. De plus, des techniques comme la visualisation guidée ou vous imaginez un lieu paisible et sans douleur peuvent également être bénéfiques activité physique adaptée l'activité physique modérée joue un rôle crucial dans la gestion de la goutte bien que les personnes atteintes puissent craindre que l'exercice puisse déclencher une crise de goutte une activité physique appropriée peut en fait aider à prévenir les épisodes douloureux et à améliorer la santé globale il est recommandé de privilégier des exercices à faible impact qui ne mettent pas trop de stress sur les articulations affectées telles que la natation, la marche ou le vélo. Ces activités aident à maintenir la mobilité, à renforcer les muscles et à soutenir une gestion du poids. Ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de gouttes. Il est essentiel de démarrer doucement et d'augmenter progressivement l'intensité et la durée de l'exercice. En tenant compte des limites individuelles et en écoutant les signaux du corps. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé ou un physiothérapeute pour obtenir des conseils personnalisés sur les meilleures pratiques d'exercice adaptées à votre condition spécifique de goutte. En adoptant une approche prudente et progressive, l'activité physique peut devenir une alliée précieuse dans la gestion efficace de la goutte. Remèdes naturels et compléments Infusion et tisane. Les infusions et les tisanes peuvent fournir un soulagement naturel des symptômes de la goutte. Par exemple, le thé au gingembre est apprécié pour ses propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'enflure et la douleur articulaire. De même, le curcuma, connu pour ses effets anti-inflammatoires puissants, peut être consommé sous forme de tisane pour aider à apaiser les symptômes de la goutte. Préparer ces infusions à partir de racines fraîches ou de poudre de haute qualité permet de maximiser leurs bienfaits pour la santé. En conclusion, soulager une crise de goutte sans médicaments est possible grâce à des approches naturelles et préventives. En adaptant votre alimentation pour réduire les purines, en utilisant des techniques comme l'application de glace et la relaxation pour gérer la douleur. Ainsi qu'en intégrant une activité physique adaptée. Et des remèdes naturels comme les infusions et les compléments alimentaires. Vous pouvez significativement atténuer les symptômes et prévenir les crises futures. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un suivi personnalisé et assurer une gestion optimale de votre santé face à la goutte.